texte aujourd'hui, il n'y a pas que Shakespeare. C'est toi qui dis ça? Toi, celle qui m'a appelée Ophélia? Ça, c'était ton père. Non, encore lui. Tu te gardes d'une telle pensée dans les mots de mère et de fille agissent sur ton sang. Quoi, tu te parles encore? Dit-elle avant de me trousser, tu m'as promis de m'épouser. Alors il répond, c'est ce que j'aurais fait par le jour levé si tu n'étais pas venue dans mon lit. Il doit y avoir un autre moyen de parler. C'est pas moi qui ai le problème. Et rase un très 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 long adieu. Ai-je toujours l'aspic sur mes lèvres? Une tombe? Pauvre reine peinte. Pauvre reine. Vaine effigie de ma gloire. Pourquoi verses-tu du sucre sur la queue de cette araignée vénéneuse? Boum! 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 Nous sommes les filles de Paris! Boum! Boum! Nous battons avec des poubelles! Boum! Boum! Tu as les mots pour le décrire, pour m'aider à le comprendre, mais tu ne les utilises pas. Tu utilises mille autres mots à la place, les mots d'un autre homme pour éviter de décrire un seul homme. Car le beau est au repas et toute ma joie, mais ne reviendra-t-il pas? Mais ne reviendra-t-il pas? Non, non, il est mort, pas sur ton lit de mort. Nos festivités sont terminées. Et nos acteurs, comme je vous l'avais prédit, étaient tous des esprits